Je m'appelle Alpha Diallo et je suis le président du CGE Pays-Bas, du Conseil des Guinées établi aux Pays-Bas. D'accord. Et je suis aussi un membre élu du nouveau bureau exécutif du Haut Conseil des Guinées établi aux Pays-Bas. D'accord. Alors, Monsieur Diallo, dites-nous, vous vivez aux Pays-Bas depuis combien de temps? Je vis aux Pays-Bas depuis en 94. D'accord. Donc ça fait maintenant bientôt 30 ans. 30 ans, oui. Ouais. D'accord. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette communauté guinéenne établie aux Pays-Bas. Oui. Et dites-nous comment est organisé ce conseil qui est mis en place là-bas et quel est son rôle en faveur des Guinéens établis de ce côté-là. Et au juste, au fait, ça, je veux dire que depuis les années 2000, on a essayé de nous organiser en association, c'est-à-dire en coordination. Nous avons interpellé les différentes associations agréées et reconnues au niveau des Pays-Bas pour qu'elles ensemble, elles se réunissent autour d'une coordination pour pouvoir résoudre les problèmes des Guinéens établis aux Pays-Bas. Et ça nous a permis, depuis les années 2000 en jour, de faire en sorte qu'on identifie tous les Guinéens qui sont dans les Pays-Bas, leurs problèmes et surtout aux réalités auxquelles ils sont confrontés. Donc c'est ce qui nous a permis de pouvoir trouver aujourd'hui toutes les solutions, presque toutes les solutions de problématiques auxquelles nos Guinéens établis aux Pays-Bas sont confrontés. D'accord. Voilà. Alors, ce conseil-là, parlons du conseil, il est mis en place depuis quand et quel est son rôle aujourd'hui en faveur? Parce qu'avant, il n'y avait pas ça, le conseil n'était pas mis en place. Et puisqu'il est mis en place, c'est quoi son rôle en faveur des Guinéens? Non, le rôle du conseil présentement, c'est de fédérer l'ensemble des organisations reconnues et agréées dans les Pays-Bas. Mais bien avant la mise en place du conseil, c'est ce que je vous ai dit, c'est que nous, on s'était déjà mis en avant. Nous avons essayé d'anticiper. À travers la mise en place des organes, des associations. Voilà, d'abord une coordination d'associations. OK. Comprenez? Et parallèlement à cette coordination, nous avons mis en place une autre association qui s'appelait Association des Guinéens et Amis aux Pays-Bas. Et celle-ci ne regroupe pas seulement que les associations, mais elle regroupe aussi les individus isolement pris. Parce qu'il y a des compatriotes qui ne veulent pas adhérer à une association dans une ville locale ou bien dans une ville proche. Mais on les a permis quand même d'avoir accès à cette autre association qui va leur permettre de pouvoir jouir de tous les, comment on appelle ça, les avantages que cette association pourrait quand même mettre en place. On l'a dénommée AGAP, Association des Guinéens et Amis aux Pays-Bas. D'accord. Comprenez? Mais parallèlement à cela, nous avons une grande organisation dont j'ai été président pendant 8 ans et qui fédère une trentaine d'associations aujourd'hui et qui vit à l'image même des CGE. Parce que pour que quelqu'un, moi particulier, je sois particulièrement que je sois membre du CCE, il a fallu d'abord que je sois issu d'une association agréée et reconnue aux Pays-Bas. Parce que c'était le terme de référence que le ministère nous avait envoyé. Donc il fallait respecter strictement. Donc c'est pourquoi maintenant là, nous, dans ce domaine, nous n'avons pas eu de problème. Donc les CCE présentement fédèrent l'ensemble des différentes associations agréées et reconnues aux Pays-Bas. Et ça nous permet davantage d'aller plus loin encore. Voilà. D'accord. Alors, on peut savoir, vous êtes au nombre de combien là-bas aujourd'hui et quels sont les problèmes phares auxquels les Guinéens vivant aux Pays-Bas sont confrontés? Selon les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur, il y a 4 975 Guinéens répertoriés, identifiés. Il peut y en avoir plus, parce qu'il y a d'aucuns qui sont là, qui n'ont pas encore le séjour normal. Et il y a d'autres Guinéens aussi qui sont là, en tant que Guinéens de naissance, mais qui ont vécu dans d'autres pays et qui ont acquis la nationalité de ce pays et qui y vivent aussi en Guinée, mais quand, plutôt aux Pays-Bas. Et quand maintenant nous voulons organiser des trucs ensemble, ils viennent avec nous. Eux là ne sont pas répertoriés en tant que Guinéens. Mais officiellement, nous avons 4 975 répertoriés pour le moment. D'accord. Les problèmes sont divers. Il y a des problèmes, par exemple, familiaux. Il y a des problèmes des gens qui n'ont pas de séjour, les clandestins par exemple. Il y a des problèmes de maladie.
Et c'est divers. Et surtout que quand quelqu'un arrive aux Pays-Bas, dans un premier temps, il faudrait d'abord qu'il puisse avoir un séjour. Ne serait-ce que temporaire, il le faut. Mais il se trouve que ceux-là qui viennent en ce moment, dans la période de trouver un séjour, ne serait-ce que temporaire ou permanent, souvent ils sont confrontés à des petits problèmes. C'est le problème d'intégration aussi. Quand je dis Justement, le... en parlant de ce problème d'intégration, est-ce qu'il y a un mécanisme mis en place par vous auparavant ou bien après la mise en place de ce conseil-là, pouvant entretenir ou bien coacher un peu nos compatriotes qui arrivent là-bas, qui ne connaissent pas forcément le pays, pour les aider à s'insérer un peu, peu à peu dans la vie socio-économique? Effectivement, Comment ça se fait, le ça se coaching? passe paisiblement bien souvent parce que à travers les différentes organisations que nous avons, nous essayons de sensibiliser, de faire passer un message à tous les Guinéens, de près ou de loin, pour leur dire, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui arrive dans une ville donnée où vous habitez, de l'approcher, de le sensibiliser, d'intégrer l'association agréée et reconnue. À travers celle-ci, s'il est intéressé à un problème, c'est possible maintenant que, si je sois avocat ou bien d'études ou bien d'intégration, comme on l'a dit dans le général, nous essayons maintenant de trouver des pistes. Parce qu'il y a des organisations humanitaires qui sont aux Pays-Bas, qui s'occupent, comment on appelle ça, strictement des étrangers. On vient, on pose le problème selon le problème posé par l'individu. Si par exemple, il avait un séjour temporaire et que ce séjour temporaire soit retiré par, n'est-ce pas, les autorités hollandaises, on trouve pour lui un lieu, une institution où il peut aller venir se confier, qui pourront peut-être l'aider à trouver un petit logement, à avoir peut-être l'eau manger. En tout cas, tout ce qui est besoin primaire, qu'on nous facilite cela. Parce que pour que vous puissiez intégrer un milieu donné, il faut d'abord avoir un lieu où vous pourrez quand même reposer votre esprit. Donc, nous avons le contact de toutes ces institutions qui nous permettent de pouvoir régler tous les petits problèmes de nos amis ou camarades qui sont un peu dans la détresse plutôt, c'est-à-dire dans la clandestinité. Et maintenant, dans les familles réelles, il se peut que souvent, monsieur et madame ne s'entendent pas, ou ce que les enfants et les parents ne s'entendent pas. Donc, tous ces facteurs, nous les réunissons tout en essayant de trouver des institutions comme il y en a, pour que les problèmes de famille, les problèmes d'intégration et autres, là, puissent trouver des petites solutions. Mais au-delà de tout ça, nous essayons d'organiser des formations pour nos membres dans les différentes associations et surtout les responsables des bureaux exécutifs en matière de gestion d'argent, en matière de gestion de leurs enfants, en matière de choix dans les études. Donc, nous faisons en sorte que nous passions une sensibilisation à ces parents pour que chacun puisse vraiment intégrer une association dans la ville locale où ils habitent. D'accord. Alors, parlons des cas de maladie dont vous avez fait cas tout à l'heure et aussi des cas de rapatriement de corps. Nous savons que tout cela intervient parfois à un moment donné de notre vie. Oui. Est-ce qu'il y a, il y a un fonds spécial qui est là-bas qui s'occupe de ces cas d'urgence ou comment vous faites pour gérer les compatriotes malades qui ne peuvent pas se prendre en charge, mais aussi décédés qui... Et dont, comment dirais-je, qui nécessite forcément le rapatriement. D'accord. Et pour le cas spécifique de la première association que j'avais dirigée pendant les 8 ans et qu'on a dénommée MUA, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord sensibilisé les gens pendant 2 ans. On leur a fait comprendre que avec MUA, il est facile d'abord de connaître d'abord les réalités du pays. Encore faisant, en s'identifiant d'abord par rapport à vous-même et par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Ça, c'est. Et on a essayé de répertorier les petits problèmes, tels que, comme tu viens de le dire là, les cas de décès. Il peut y avoir quelqu'un qui décède, il est dans une situation régulière, mais il n'a pas une assurance de rapatriement. Il peut y avoir quelqu'un en situation irrégulière aussi qui décède, et en plus, on est tenu soit l'enterrer ou peut-être aussi le rapatrier. Ça dépendra maintenant du consentement de la société qui va le gérer, ou peut-être la personne à laquelle l'intéressé qui est décédé, par exemple le clandestin, est ami ou frère ou sœur. Vous comprenez? Et nous avons créé en 2002 comment on appelle ça, un fonds de solidarité. Donc pour un début, c'était 20 euros par personne. Et au fur et à mesure que le temps passait, maintenant nous sommes à 50 euros par personne par an.
Et aujourd'hui, le MEA dont je vous ai parlé là, elle a un compte qui a au moins un minimum de 300 000 euros en fonds de compte. MUA, ça veut dire quoi? Et MUA, c'est Mutual Union Holland. Ok. Voilà. Et ces MUA là, ça permet aujourd'hui tout Guinéen, de quelque nature qu'il est, s'il meurt sur le sol hollandais, il est facile et facile pour, comment, possible pour nous de récupérer son corps. Et maintenant, avec les contributions et avec les institutions hollandaises que nous connaissons, c'est-à-dire des petites fondations ou bien la commune elle-même dans laquelle l'intéressé est décédé, si par exemple c'est une personne en situation régulière, alors nous, en tant que c'est-à-dire les membres de MUA, n'est-ce pas, on les assiste directement, quel que soit maintenant le prix qu'il faut payer pour que le corps soit rapatrié, Moussidal prend ça en charge. Maintenant, si c'est un clandestin, il y a des institutions ou bien des fondations à travers lesquelles nous passons pour dire voilà, un tel est décédé tel lieu, mais il est en situation irrégulière. Parce qu'il y a deux choses l'une. C'est soit l'État prend, l'autorité dit que, c'est-à-dire la justice va dire ok, si la personne décédée qui est en situation irrégulière n'a pas de référence, on incinère le corps. Et ça, ça coûte dans les 1000 à 2500 euros. L'incinération. Voilà. Et si maintenant c'est l'enterrement, ça doit être plus que cela. Parce qu'il faudrait payer d'abord le lieu où il doit être enterré, et plus l'assurance du temps de garde de ce corps pendant une période peut-être de 10 ans, 20 ans ou 40 ans. Ça dépendra de ça. Donc souvent, la justice prend la décision pour dire voilà, il faut l'incinérer. Et maintenant, en connaissant que l'intéressé est musulman, nous disons non, on ne faut pas l'incinérer. Nous avons soit l'enterrer ou le rapatrier. Maintenant, ce rapatriement, ça a demandé un coût. Mais on a eu quand même à sceller des contrats avec des morgues ou bien des sociétés de rapatriement pour que si nous n'avons pas les moyens à l'instant ou que les parents de l'intéressé n'aient pas les moyens à l'instant, vous voulez dire, voilà, nous avons un corps, nous voulons le rapatrier. Mais prier de bien vouloir le prendre en charge pour une période bien donnée. Donc, nous mettons en ligne une demande de quête de fonds. Et souvent, on peut avoir au-delà même du prix du rapatriement. Mais pour le cas des membres du MUA dont vous avez parlé, il n'y a aucun problème. Quel que soit le nombre de morts et quel que soit le temps pendant lequel l'intéressé est décédé, du coup, la mort qui prend en charge, nous pouvons du coup payer le montant. Et en plus, payer le montant si l'intéressé était marié, si c'est la femme ou si c'est le mari qui meurt ou les enfants, on peut aussi payer un montant pour permettre à un membre de la famille d'accompagner le corps au pays. Si par exemple il arrive à Conakry et que le corps devait aller jusque quelque part en Guinée ici, ça là aussi c'est payé. Donc nous sommes organisés dans ce domaine. Donc nous n'avons presque pas de problème là-dessus, mais seulement au niveau des CSE, on n'a pas pu mettre ça en place parce que nous venons juste, à partir du 16 août passé, de faire nos statuts des CSE pour nous permettre maintenant de pouvoir faire des demandes de subvention dans les différentes institutions au niveau de la Hollande et éventuellement faire face à des cas pareils, des gens qui décèdent et qui n'ont pas vraiment d'assurance ou des gens qui décèdent qui n'ont pas de, comment on appelle ça, et qui sont en situation irrégulière. Les cas de maladie, nous venons vers les hôpitaux en tant que personne morale pour dire voilà, nous avons un malade chez vous ici et nous voulons le rencontrer. Quand tu viens en tant que personne physique et qui n'est pas connue, on ne vous accepte pas. Nous venons en tant que personne morale, ça veut dire un représentant du bureau du conseil de Guinée établi aux Pays-Bas ou une autre organisation locale, là où l'intéressé est hospitalisé. Ils viennent et ils disent voilà, nous voulons rencontrer tel. Si par hasard il se trouve que l'intéressé est condamné, nous créons tous les moyens possibles pour que le corps soit, c'est-à-dire l'intéressé soit directement revenu et rapatrié, comment on appelle, transféré en Guinée. Et si maintenant il meurt entre temps, nous prenons les dispositions nécessaires aussi qu'il faut pour que nous ayons de l'argent suffisant et pour permettre au rapatriement du corps au niveau du pays. Donc ça, il s'agit des prisonniers, ça? Non, pas des prisonniers. Des gens, par exemple, il peut y avoir des gens en situation irrégulière. J'ai connu, par exemple, deux personnes qui étaient en situation régulière, vraiment, qui avaient la citoyenneté hollandaise même. Mais comme ils n'avaient pas intégré une association dans la ville dans laquelle ils étaient, il y a eu deux cas. Et l'un s'est passé, je pense, au mois de mars, et l'autre, là, c'est à peine, au mois de juillet, là. Et donc, les deux sont retraités. Mais heureusement, le premier qui est décédé, lui, quand même, il avait prévu
de mettre en compte avec une assurance au cas où il mourrait pour que son corps soit rapatrié. Mais le deuxième en retraite aussi, lui, il n'y a pas de temps, il est mort, mais lui n'avait aucun sou. Donc quand on m'a appelé en tant que président, il fallait maintenant qu'on passe par les moyens. Donc le rapatriement à partir de la Belgique et à partir de la Hollande n'est plus différent. C'est moi, c'est la partie de la Belgique. Donc, on a scellé un contrat avec une société marocaine en Belgique qui vient récupérer le corps, garder le temps pendant lequel l'argent sera récupéré. Mais en moins d'une semaine, vraiment, c'est les chiffres sont dans mon téléphone ici, l'argent était déjà complet. D'accord. Vous pouvez transférer le monsieur. Alors, vous êtes là-bas, ça fait près de 30 ans. Comment, je veux savoir comment vous vous sentez là-bas sur la terre hollandaise. Est-ce qu'il y a parfois, vous êtes confronté à des ségrégations raciales de la part des Hollandais, mais aussi, est-ce qu'il y a ce phénomène de migration là-bas, on vous interpelle par rapport aux Guinéens qui viennent irrégulièrement s'installer. Est-ce que ça vous arrive? Oui, ça nous arrive souvent sur le plan de travail, par exemple, même au niveau de l'éducation. Parce qu'il arrive souvent qu'on dise qu'on dise à une famille, voilà, on a constaté que votre enfant n'a pas un niveau requis pour aller pour faire des études supérieures. Mieux, il faudrait l'envoyer dans une école professionnelle pour qu'il puisse vraiment, être dans le marché du travail. Mais il y a des parents qui disent non, vous ne pouvez pas. Prendre un enfant de 12 ans ou 13 ans, dire qu'il n'a pas un niveau qui puisse lui permettre d'aller à l'université. Laissez l'enfant évoluer. Vous comprenez? Et donc, il y a de ses parents qui disent non. Et ils insistent à ce que leur enfant continue les études. Au fur et à mesure, maintenant, les années passent, vous trouverez que cet enfant sur lequel on avait essayé de, dont on a essayé de minimiser le niveau peut percer. Ça arrive à beaucoup de gens. Ça se passe. Maintenant, dans le domaine du travail aussi, ça peut être aussi flagrant que souvent on vous discrimine. Mais la loi étant là et qui vous protège, fait que les chefs ou peut-être les autres éléments qui ne sont pas chefs, qui sont vraiment des vrais, vrais Hollandais, essaient d'avoir cette quand même distance vis-à-vis de tel comportement. D'accord. Mais dans la mesure où vous le constatez, vous êtes tenu obligé ce soir rapporter l'intéressé qui a fait ça au chef, ou bien vous allez peut-être dans une institution donnée comme la police ou bien la commune, pour dire, voilà, je suis victime de cela. Mais cette peur, parce que le respect de la loi, elle est stricte. Il est strict, je veux dire. Donc, des cas pareils, ça arrive. Ça nous arrive. Mais il est souvent demandé à nous-mêmes qui sommes là-bas d'être un peu flexibles et tolérants. Oui. Quand ce n'est pas trop flagrant, il faut éviter d'en faire un problème. Mais si c'est trop flagrant, vous avez toute la latitude de porter plainte. D'accord. Et certainement que c'est un problème de justice qui peut perdurer peut-être des années, d'accord, mais néanmoins, il arriverait un moment où certainement on peut vous faire passer devant la justice pour que vous donniez des explications. Donc, on peut condamner un citoyen hollandais qui, qui arrive. Bien sûr que oui, bien sûr que ça, quand c'est flagrant, bien sûr que oui. D'accord. Ça se passe est-ce que le phénomène de la migration également, est-ce que vous en connaissez? Ce phénomène, présentement, vous savez, la Hollande est un pays un peu reculé par rapport à la France et l'Italie et l'Espagne où les gens viennent beaucoup plus. Okay. Et puis c'est un petit pays aussi très organisé, très structuré. Et dans ces derniers temps, les gens qui y viennent, c'est-à-dire la population guinéenne de la Hollande, elle est très jeune. Vous comprenez? Okay. Avant, c'était les mineurs qui partaient souvent, parce que dès les 5e mineur arrivait, il a aussi automatiquement un séjour permanent. Maintenant, dans ces derniers temps, l'afflux c'est vers la France, où on donne beaucoup plus de séjour aux Guinéens que vers les pays un peu nordiques là. Donc présentement, les clandestins qui arrivent sur le sol européen, à moins que la Hollande elle-même ne fasse demande, parce qu'il arrive des moments où quand les immigrés arrivent par exemple en Italie ou bien en Espagne, qu'il y ait un système d'évacuation, qu'on leur demande, ok voilà, nous avons 100 réfugiés présentement, mais nous ne sommes pas en disponibilité de pouvoir les garder ici. Quels sont les pays qui souhaiteraient recevoir certains au niveau de l'Union européenne. Voilà, au niveau de l'Union européenne. Donc, la Hollande peut demander, par exemple, nous, on est prêts à recevoir 10 personnes. Okay. Donc, ces 10 personnes viennent directement en Hollande, ils sont pris en charge et ils sont vraiment dans la procédure normale. Et s'il se trouve que l'histoire pour laquelle ils sont arrivés sur le sol hollandais est adéquate par rapport aux réalités hollandaises et que c'est compréhensible, on peut quand même les dire, ok, vous restez là pendant une période de temps, soit plus
que le temps que lui-même pouvait penser, c'est-à-dire on lui donne un séjour permanent qui reste. Mais présentement, ce n'est pas comme avant. Avant, il y a les gens venaient régulièrement, mais maintenant là, c'est un peu rare. D'accord. Alors, pour finir, est-ce que parfois, puisque vous êtes organisé là-bas depuis près de 20 ans, est-ce que parfois il y a, vous apportez d'aide à votre pays d'origine, vous faites, vous agissez dans le domaine de l'humanitaire, et voilà, soit dans les différentes communautés ou bien de la capitale. Est-ce que ça vous arrive parfois de d'œuvrer oui, dans le développement? Que, vous savez, bon, notre implication à ce niveau, c'est à deux niveaux. Il y a une implication individuelle et une implication collective. Au niveau individuel, l'intéressé peut, à chaque fin de mois, envoyer de l'argent à ses parents. Ça, c'est presque naturel. Ou bien l'intéressé peut dire, voilà, bien que j'ai vécu ici à Nolol pendant 10 ans, 15 ans, il faut avoir vraiment une maison quand j'arrive en Guinée. Ils viennent, ils construisent. Ça, c'est un facteur. Deuxièmement, dans le cadre collectif, quand par exemple, je me rappelle en 2010 ou 2009, au moment des élections, et par exemple, le premier tour des élections de 2010, il y a eu des, comment on appelle ça, des Guinéens qui ont été renvoyés du Sigiri vers l'intérieur. Et donc, en ce moment, l'organisation à laquelle, là où j'appartenais, on a déboursé 12 000 euros pour venir en aide à ces Guinéens. Et on envoie un conteneur de médicaments et d'habits pour pouvoir donner à ceux-ci. Et il se trouvait même que certains d'entre eux avaient immigré vers le Sénégal. C'est là-bas qu'on a envoyé l'argent. Et chaque année qui passe, et quand il y a une catastrophe, par exemple, et quand on a envoyé aussi les gens de Ratouma, il y a eu des gens qui devaient aller à l'école, et là aussi on était venus. Souvent on vient avec de l'argent, mais on donne souvent espèces ou on donne en nature. Donc chaque fois qu'il y a un problème d'ordre vraiment général, catastrophique ou naturel ou autre, nous venons en aide. Et c'est pourquoi nous avons tenu, après la mise en place du Conseil des Guinéens établi aux Pays-Bas, avec l'expérience et l'observation que moi-même je me suis faite aux Pays-Bas, je me suis dit qu'il fallait que le CGE Pays-Bas ait son statut. Après, avec ce statut, nous pouvons venir en aide à tout moment. Mais pour que cela soit, il faudrait d'abord que nous identifions les Guinéens qui y vivent. Par exemple, prenez les 4000 et quelques qui y vivent. Et il se trouve que les 2000 soient peut-être des majeurs, supposons, et qu'on dise à ces majeurs de 2000 de payer ne serait-ce que 1 euro par mois par personne. Ça ne va pas faire combien? 2000 euros par mois. Vous comprenez? Et maintenant, si au-delà de l'année, nous n'avons pas de problème, par exemple, de catastrophe ici en Guinée pour donner de l'argent, que nous n'ayons pas un mort clandestin pour dire, voilà, il faut vraiment obligatoirement débourser de l'argent avec nous, sans les institutions pour envoyer ce corps-là. Avec 10, les 2000 par mois, pendant 10 mois, nous avons combien? Nous avons un minimum de 20 000 euros. Ça peut faire grand-chose. Wow. Et donc, si jamais que nous voulons faire une aide collective au pays, il serait facile de nous le faire. Mais l'aide individuelle, elle est là permanente. D'accord. Voilà, elle est là permanente. Donc, à tout moment, nous assistons. Mais pour que cela soit, il faudrait que, d'abord, que les organisations soient statuées. Et donc, c'est pourquoi, avec la coordination dont j'ai présidé pendant les 8 ans, nous avons maintenant de l'expérience. À chaque fois qu'il y a un problème ici en Guinée, nous venons en aide. Nous avons déjà des antennes ici, à travers lesquelles nous passons l'aide. D'accord. Alors, vous êtes en Guinée, la dernière question, vous êtes en Guinée, vous ne venez pas ici et tout le temps. C'est une occasion pour vous d'interpeller les autorités du pays, le ministère de tutelle, le ministre qui nous suit forcément sur Guinée Matin, mais aussi au niveau du président de la République, sur les problèmes auxquels les Guinéens sont confrontés. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous, en tant que Guinéen de la Hollande, vous demandez aux autorités guinéennes en termes d'assistance quand on dit de lancer un appel? Non, pour le moment, c'est que le problème auquel nous sommes beaucoup plus confrontés dans le cadre de la Guinée, c'est le problème des documents officiels, par exemple des passeports. Vous avez une ambassade? Oui, on a une ambassade en Belgique qui couvre le Benelux, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Mais nous avons aussi un consul honoraire au niveau des Pays-Bas. Mais ça, c'est dans le purement économique, dans le cadre des investissements. C'est pourquoi la majeure partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est les associations qui viennent en première position en aide. Mais depuis 2 ans maintenant, nous avons un consul honoraire, et toutes les fois qu'il y a un problème, et lui et nous, faisons en sorte qu'il y ait une communication nette
tel que je vous l'ai dit là, et le Guinéen, comment on appelle ça, qui est décédé au mois de juillet. Et du coup, c'est le consul qui m'a interpellé, il m'a dit, ah, il y a un Guinéen, donnons quelles sont les procédures à suivre pour que l'on puisse récupérer son corps et le transférer sans problème, pendant qu'il était un retraité. Et alors, je l'ai expliqué, lui et moi, on a essayé de faire le maximum, et vraiment, en un minimum de temps, on a pu récupérer de l'argent et transférer le corps en Guinée ici, et non plutôt au Sénégal, parce que c'est là-bas où se trouvait sa fille, ses parents quand même. D'accord, le problème de documents. Les documents, c'est les passeports. D'accord. Vous comprenez? Souvent, c'est les cartes consulaires. Mais dans la plupart du temps, c'est les passeports. Parce qu'il se trouve que, surtout au moment où, pendant le Covid, ça nous a perturbés. Parce qu'en ce moment, il avait été recommandé aux Guinéens de l'Europe de ne pas venir en Guinée avec un visa. Et c'est ce qui a nécessité beaucoup de gens à aller maintenant vers les ambassades pour faire une demande de passeport. Et maintenant, hormis les étudiants qui sont là aussi, qui cherchent du travail ou bien qui cherchent à prolonger leurs études. Et donc, nous autres qui avions quand même la citoyenneté européenne, avions eu des problèmes en ce moment parce qu'on ne pouvait pas venir en Guinée avec la loi qui avait été mise en place qu'un Européen ne pouvait pas venir en Guinée. Et donc, ça nous a poussé à trouver des passeports guinéens. Et c'est ce qui a fait maintenant que la demande a été vraiment si hausse que les ambassades étaient déportées. Et bien que vous fassiez la demande au niveau des ambassades, bon, l'appareil vous montre que dans peu de temps, vous allez avoir votre passeport. Mais je trouve que le temps imparti peut excéder à plus d'un titre. Donc ça, c'est un. Donc, en ce qui concerne aussi aujourd'hui, et la réintégration certainement des Guinéens qui viennent de l'extérieur pour s'installer, ça pose aussi problème. Parce que prenez quelqu'un qui a vécu pendant 20-30 ans en extérieur, pour qu'il vienne s'adapter dans le milieu dans lequel il n'a presque pas vécu maintenant, c'est difficile. Donc il faudrait qu'il y ait des moyens et des voies qui permettront à ceux-là qui reviennent pour voir est-ce que je vais investir, oui, cette facilité d'investissement qu'on leur donne, et comme on l'appelle cette fois, et en plus cette facilité d'intégration qu'on leur permette cela aussi. Ce n'est pas de... Parce que moi, par exemple, je viens ici, chaque année, je viens en Guinée. Mais cela ne veut pas dire que je connais le milieu. Vous comprenez? Je suis vraiment maintenant, parce que même dans la circulation, dans la conduite, vous voyez ce que ça fait. Il faut s'adapter. Et cette adaptation demande un minimum de temps. Et si maintenant vous avez une mesure d'accompagnement, c'est-à-dire des gens qui connaissent les réalités auxquelles vous êtes déjà confrontés dans les pays d'accueil, et vous voulez revenir, et que vous avez un accompagnement, ça vous permettra de vous adapter. Parce que vous dites que, et moi par exemple aux Pays-Bas, quand j'appelle dans une commune, je suis habitué, quand j'appelle, il y a un personnel qui prend, et monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'explique mon problème, et du coup, l'intéressé va me dire, pour tel problème, il faut aller dans telle section. Mais est-ce que c'est la même chose? Je ne pense pas. Donc, vous êtes tenu obligé de venir dans une administration donnée, vous voulez taper à la porte, vous demandez. Souvent, c'est des complications. D'accord. C'est des complications. Alors, merci bien, M. Diallo. Et nous souhaitons bon séjour sur la terre guinéenne. À moins que vous ayez un dernier message à ajouter. Donc, bon, je salue quand même la communauté guinéenne des Pays-Bas et surtout celle aussi là, à travers le monde. D'accord. Et je souhaite quand même un bel avenir à toute la Guinée. Et que vraiment, le bon Dieu nous permette de pouvoir faire en sorte que nous, Guinéens qui sommes à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, qu'il y ait quand même une certaine, comment on appelle ça, un lien de communication entre synergie. Nous. Parce que la communication manque beaucoup. D'accord. Et si celle-là fait défaut, ça peut perturber les unions. Merci beaucoup. Merci. Ouais.